Bravo. Mesdames et messieurs, la municipalité de Romorantin-Lanthenay est heureuse de vous accueillir, toutes et tous, dans le cadre de la fête nationale 2017, afin d'assister à ce spectacle pyrotechnique tout à fait original. Au cœur de ce feu d'artifice, les grandes orgues actuelles de l'église Saint-Étienne, enregistrées pour vous. Installées à la fin du 19e siècle, elles ont été classées monuments historiques en 1986. Avant que le ciel s'illumine et que le plan d'eau s'enflamme, nous souhaitons remercier tous les bénévoles du comité des fêtes. À présent, sous vos applaudissements, place au feu d'artifice. Le visiteur est immédiatement impressionné par la tribune qui le surplombe, là où se nichent les grandes orgues. D'après les archives, la tradition musicale de cet édifice religieux remonterait à 5 siècles environ. Un document datant de 1767 fournit les traces du premier instrument, en signalant que les comptes du chapitre mentionnaient déjà en 1489 une orgue placée au jubé ainsi que les gages de l'organiste. Le deuxième a été construit sous Henri IV, comme l'indiquait près de la sacristie une inscription aujourd'hui disparue. Les titulaires se succédèrent jusqu'en 1788, date à laquelle l'organiste d'alors a senti le vent tourner. En effet, pendant la Révolution française, l'église a été dévastée et la plupart des cloches descendues et brisées. Mais l'orgue de l'époque a été épargné, car momentanément détourné de sa pieuse destination, il accompagnait les hymnes patriotiques, la Carmagnole, voire les Saturnales de la déesse Raison.
allant sur le chemin du retour, souvenez-vous de cette parole de Léonard de Vinci. Celui qui s'oriente vers l'étoile ne se retourne pas. Je vais juste dans la boîte. Hein.